J'ai commencé le sabre laser parce qu'on m'a dit viens taper sur des geeks avec un bâton qui fait de la lumière. Ça m'a donné envie d'essayer et je suis littéralement tombé sur son charme. Quand on est fan de Star Wars, forcément, c'est l'art emblématique. On est prêt. Quand je l'allume, vous l'allumez. Le sabre laser, c'est une discipline qui regroupe un public complètement disparate et ainsi que des techniques d'escrime du monde entier. En sortant du cadre escrime carré, on trouve un ludisme et une ouverture d'esprit, une grande part de créativité dans la partie combat chorégraphié pour montrer des beaux mouvements très amples et très impressionnants qu'on trouve dans les films. On a aussi tout ce qui est kata, tout ce qui est technique, qui se rapproche du martial, bien codifié, très précis, très réaliste. Et on a encore cette grosse partie de combat sportif. Donc un sport de touche, avec un attaquant, un défenseur. Tout doit être contrôlé en faisant donc des mouvements très amples.